Castrignano del Capo, c'est la ville la plus au sud de la région des Pouilles et elle fait partie de l'union des communes de la terre de l'Euca. Riche en charme pittoresque et précieux témoignages historiques et artistiques, le territoire de Castrignano s'étend entre la serre de Vereto et le cap de Santa Maria di Leuca. Les communautés de Salignano et Giuliano di Lecce appartiennent à Castrignano. Ils sont des bourgs historiques où la typique hospitalité grecque est encore très répandue et où y règne l'atmosphère authentique de l'accueil salentin. La mer de Castrignano est dominée par la beauté intemporelle de la côte de Leuca, caractérisée par les magnifiques formes du promontoire du Meliso et la physionomie de la puissante basilique pontificale de Santa Maria de Finibusterre, parmi les lieux de dévotion mariale les plus représentatifs en Europe. Les campagnes de Castrignano conservent l'héritage de la civilisation paysanne. Elle se manifeste dans les anciens murets de pierre sèche qui entourent les vastes oliveraies et les nombreuses terres agricoles, aujourd'hui encore cultivées et entretenues avec soin. Le centre historique de Castrignano del Capo exhibe ses édifices historiques, tels que l'église mère de San Michele, située en place Sant'Angelo, reconstruite au milieu du XVIIIe siècle sur l'ancienne église paroissiale. À l'intérieur, on peut noter des grands espaces architectoniques, caractérisés par la présence d'hôtels latéraux, de sèvres riches en stucs et décorations vives. Ici, on peut admirer la statue en bois du patron Saint-Michel l'Archange, réalisée en 1707 par Nicola Fumo, important sculpteur du baroque napolitain. Castrignano est attesté dans les documents déjà en 1265. L'ancien centre historique est situé dans les quartiers de Borgoterra, qui conserve encore une structure géométrique en damier. On y peut accéder par la place San Nicola, où il est possible d'observer la porte d'entrée principale au vieux bourg de Castrignano, dénommée Porta Terra. Elle est située dans la structure de Palais Fersini, bâtiment construit sur l'enceinte murale de l'ancien château féodal. Transformée en résidence nobiliaire vers la fin du XVIIIe siècle, la forteresse, déjà testée dans la période médiévale, a protégé le centre urbain de Castrignano pendant des siècles. Dans les petites rues de Borgoterra, on peut observer les architectures traditionnelles salentines, et des édifices riches de décorations datant du XVIe siècle, qui représentent l'élégance de l'ancienne société de Castrignano. Le centre historique de Castrignano révèle aujourd'hui encore aux visiteurs ses beautés archaïques. Il s'agit des structures urbaines qui montrent les nombreuses évolutions historiques de la ville, tandis que les monuments sculptés dans la pierre raconte aujourd'hui encore la dévotion religieuse populaire et l'identité communautaire des habitants.